La quatrième ariette, c'est « Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses. De cette façon, nous serons bien heureuses. Et si notre vie a des instants moroses, du moins nous serons de pleureuses. » Qu'est-ce qu'il dit là ? « Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses. De cette façon, nous serons bien heureuses. Et si notre vie a des instants moroses, et si finalement on n'est pas si bien heureuse que ça, nous serons de pleureuses. » Mais dans la phrase « nous serons de pleureuses », la partie la plus importante, c'est « nous serons ». Ça ne convient pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme il faut. On va partir à cause de tout ça, de ce vœu confus. Partons, très bien, et de toute façon, si on rate, ce n'est pas grave. Allons-y. On va partir, sans même savoir si on est pardonné ou non. En gros, c'est le texte de la quatrième ariette. La cinquième, c'est l'inverse. Autant la quatrième, donc c'est un pas en avant. Allons vers l'avenir, on fait le truc, puis on verra. La cinquième, c'est un rappel du piano dans le boudoir. J'ai peur de vous dire une bêtise. Le piano que baise une main frêle, lui, dans le soir, rosé gris, vacant. Et un air bien vieux se rappelle aux oreilles du poète. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça qui... Ah oui, mais quand même, c'est vrai. Ce petit confort douillet, le petit boudoir. Est-ce que finalement, c'est pas la vie que je vais quitter qui est quand même la plus rassurante? Pas facile. Nous serons bien heureux, et vous, et vous, et si notre chair a des instants moroses, témoins, nous serons.
Alors tout ça n'est pas très clair.